Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la mise en évidence de l'uréase. L'uréase, c'est une enzyme qui catalyse la réaction de transformation de l'urée en dioxyde de carbone et de l'ammoniac. Elle est présente chez certaines bactéries et levures et certaines plantes. En matériel, vous allez d'abord porter les gants. On a la boîte de pétri contenant des cultures, contenant, regardez, des colonies, des réactifs de l'uréase. Maintenant, pipette de transfert. Tout d'abord, on va siroter l'anse avec le bec benzène. Avec la pipette de transfert, on va mettre 0,54 ml de réactif avec la pipette de transfert. Voilà. Vous voyez? Maintenant, avec l'anse, on va attendre que ça se refroidisse d'abord. Maintenant, et regardez, on va prélever cette colonie, vous voyez. On va le mentionner dans oui. Et on va siroter l'anse maintenant encore. C'est pour tuer les restes des bactéries là-dessus. Et on va fermer les tubes. Ne bouchez pas les tubes fortement, d'accord? Il faut toujours laisser la présence de l'oxygène. On ne bouche pas maintenant. On va incuber pendant 24 à 48 heures. On va incuber à 37 degrés Celsius dans les tubes. Voici les tubes. C'est à 37 degrés Celsius. Maintenant, de 24 à 48 heures, on va observer les changements de coloration. Regardez, vous voyez, quand l'uréase elle est positive, regardez, ça devient rouge. Dans le cas contraire, ça va garder la coloration initiale. Ici, c'est l'uréase positive, et ici, c'est l'uréase négative. On vous reprend encore. L'uréase, on dit que c'est une enzyme qui catalyse la réaction de formation de la transformation de l'urée en dioxyde de carbone et de l'ammoniac. Elle est présente chez certaines bactéries, certaines levures et certaines plantes. Je vous remercie.